direct sur les stations fréquences pour 14 km 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel pour le QSO du canal 32 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Kilomètre 33-93, Neyvens à 13-51 à toi. Voilà, je suis dans la descente du pont d'Aquitaine. Ça passe assez QRP de mon côté ce soir. Voilà, je m'en vais au pont. Entre Cestas et le Marp. Ah bah oui, je comprends. Ah oui, d'accord. Donc autant dire que là, dès que je vais être rendu en bas du pont d'Aquitaine, ça passera plus, quoi. Là, ça fait une belle petite trotte quand même. Allez, je commence à te perdre. Ah zut, ah c'est dommage. C'est dommage, parce qu'après là, je vais être sur la rocade là, pour aller en direction de Mérignac, donc là c'est mort. Ah bon, tu m'entends plus, content de t'avoir eu en fréquence, même si c'était très court, les 113-51 à toi, bon QSO. 113-51 à toi. Ouais, c'est passé un petit peu là en bas du pont. Bon, on va quand même essayer, les 113 sont quand même envoyés, on va quand même essayer de continuer un petit peu comme ça, on sait jamais. Ah, ça passe plus. Bon, bah, visiblement, ça passe plus. Voilà, je suis au niveau de la première sortie, là, en bas, là, je suis en train de, voilà. Ça veut plus. Ah, ça y est, ça remonte un petit peu. Voilà, ça remonte un petit peu. Ouais, mais bon, j'ai un petit peu de puissance derrière. C'est normal que tu arrives encore à m'entendre. Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Là, tu verras là, dedans. C'est vraiment QRP. Ah, je suis droit à coup. Voilà, je suis au niveau du casino là, du lac. Ouais, j'ai entendu un siffleur, mais bon, très QRP aussi, les 73-51, le siffleur de 14 km 33-01, Dandy 33 mobile sur la rocade de Bordeaux, en train de passer sur le lac, voilà, en direction Mérignac. Maurice d'Arcachon. Eh bien, décidément, ce soir, ça arrive au niveau local, ça a l'air de vouloir passer quand même. Parce que là, bon, même si c'est QRP, je t'ai bien compris, Maurice, d'Arcachon, il n'y a pas de problème. Ah la vache, je suis passé en plein dans les QRM. En plus, ça, je vais l'avoir tout au long de la rocade, là, en plusieurs endroits. Du coup, là, désolé, mais j'ai pas du tout Roger de ce que tu as pu me dire à cause des QRM. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais pas te faire répéter. C'est pas drôle dans ces cas-là quand on fait répéter. Hachi. Ok, voilà, c'est passé. Je dois être à la hauteur de la sortie 4, puisque je vois la 5 après en suivant. Ok, ouais, là c'est passé, là il n'y a pas de problème. Ok, merci. Là je m'en vais au pro, là jusqu'à 7h30 là, demain matin. Ah, je suis un peu trop en avance là. On ne sait jamais avec la rocade. J'embauche à 19h30, il n'est que 18h10 passé, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. Ah, ça bouchonne un peu là sur la rocade. Ouais, ça freine. Ah, tu m'étonnes. Ouais, non, mais c'est un peu en plus de ça, là, avec les travaux, bon, c'est l'étranglement, là, qu'il y a et tout, ça. Puis bon, il y a aussi, il y a les gens qui sortent ou qui vont faire leurs courses, hein.
C'est y a ça aussi. Hein. Ok, merci, content de t'avoir eu aussi en fréquence. Bye, et les 73 aux stations là de ton côté. Et voilà, je t'ai à nouveau perdu dans l'EQRM. Ok, 73 retourné. Attention, 14 km, 33,06. Pour 14 km, 33,01 qui t'appelle. Ah, il est peut-être au bilan. Attention, Gilles, 14 km, 33,10 de mémoire. Hachi, pour 14 km, 33,1 qui t'appelle. Attention Isabelle la rebelle pour Dandy 33, 14 km 33,01 qui t'appelle. Bon, j'arrive là sur la hauteur, j'arrive à la hauteur de la sortie Bruges, sortie 6. Là, il y a du QRM de ce côté-là, donc si quelqu'un a répondu, ben désolé. Hein. J'ai entendu quelques brides. Les 73-51 à la station de la part de 14 km 33-01 opérateur Rémi en mobile sur la rocade de Bordeaux, pas loin de la sortie, sortie 10 de ce côté-là. J'ai pas mal de QRL donc je suis impossible de décoller quoi que ce soit là sur le QTH. Attention 14 km 33,93. Alors je refais un test là pour voir si. Là je suis pas loin du pont et beaucoup trop en avance. Ah, je suis trois coups, on sait jamais avec la circulation. Bon, pour voir si ça va repasser là à nouveau de ton côté. Ah, là, ça passe, nickel, t'as mis les sacrements généreux ton vue maître. Hachi, je suis en plein là, je suis arrêté là dans la zone commerciale de Mérignac. Qu'est-ce que j'ai dans les environs? Je dois avoir qu'est-ce que j'ai comme magasin? Qu'est-ce qu'il y a de connu là dans le coin? Ensuite, c'est surtout des magasins de mobilier et tout ce qui s'ensuit, ameublement, je veux dire. C'est surtout tous ces coins-là qu'il y a. Et là, je suis garé là, en plein milieu de tout ça. Là. Ok, ah bah j'espère pour toi, parce que sur le grand ruban en fixe, je demande à voir. Hachi, ouais, je suis calé là, entre une usine apparemment, une usine de peinture, et puis là, c'est quoi ça, trop du haut. C'est, voilà, j'ai trouvé une place de ce côté-ci, là en attendant d'embaucher. Ah, c'est pour ça que je suis un petit peu étonné, vu le dégagement qu'il y a de mon côté, c'est-à-dire merdique, hein, que ça arrive à passer. Et puis je m'attendais à avoir plus de QRM que ça. Parce que là, juste avant là, de me garer, putain la vache, c'est monté, mais il fallait voir comment au niveau QRM. Bah, tu m'étonnes, je suis un peu au milieu de tout ce qui est néon et compagnie, quoi. Mais
J'ose pas le dire. Disons que pour me justifier, je me méfie à chaque fois des conneries de la route, bouchons, ceci, cela, ainsi de suite. Et ben, j'embauche à 19h30. Oups. Ah bah comme ça tu te rends en avance. C'est bien. Ouais, bah oui. Ah ben oui, j'aurais pu rester au QRA, aller peut-être un bon quart d'heure de plus. Putain, là je me suis fait avoir en beauté là. Tu veux qu'on se fasse un bisou? Non, quand même. On va pas. Je vais pas t'emmerder. Pourquoi? Parce que tu viens aussi sur le QTH? Et il pleut en fait, hein. Alors pour un visu, ça risque d'être un visu humide. Ah, il marche bien, hein. Ah oui, il marche bien, hein. Là, il n'y a pas de souci. Le Grand 1 ou le dernier qu'il y a eu, là, le 2? Le Grand 2. D'accord, ok. Ah, il est joli, celui-là. Il ressemble à un diamant brut. Et c'est la version européenne du Uniden, je ne sais plus comment ça, il s'appelle, avec un affichage un petit peu différent, mais le boîtier est le même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment sympa, hein. Et j'aurais bien aimé en avoir un aussi. Mais au moment où j'ai acheté le Lincoln, il me semble que de mémoire, celui-ci ne se faisait déjà plus. Et bon, ben tant pis, hein. Alors par contre, le petit reproche que je lui fais, c'est qu'on peut pas régler la puissance de sortie. Ah tiens, il a pas ça. Tiens donc. Bon, que c'est rare, hein, les postes maintenant qu'on passe réglage. Ou alors c'est pas trouvé aussi. Bon, t'as rien de toute façon qui marque où il y a de marqué RF Power. T'as rien de tout ça. T'as, je dis ça, mais comment c'est marqué moi de mon côté? Ah ben il y a marqué RF, tout simplement. C'est ouais, il y a juste marqué RF, pas plus. Ouais, bon, bah d'accord, ok. Hein. Et là, tu t'en vas où comme ça, hein? Eh bien, en fait, j'ai pas de destination précise. Je roule et je m'amuse avec mon grand, c'est tout. Ah, d'accord, bah c'est cool ça. Tain, je m'attendais à voir Daniel, 14 km 33 06, Daniel Centaure. Mais bon, apparemment, ce soir, il est pris soit côté pro, soit côté familial. Ouais, c'est vrai, moi aussi, je pensais l'avoir, en fait. Parce que toi, je sais quand t'es sur le pont d'Aquitaine, sinon c'est compliqué. Et en tout cas, au QRA. Mais Daniel, je l'ai relativement fréquemment. Ah, ok, d'accord. C'est, je pensais avoir aussi Gilles, Vega 33, 14 km, 33, 10, si je ne me trompe pas. Isabelle Rebelle aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas eu en fréquence, ou tout du moins ici. Et, je sais pas, ce soir, ils sont tous pris par ailleurs. Ouais, exact. C'est vrai que Gilles et Isabelle, c'est pareil, je ne les ai pas eu depuis cet été, en fait. Ah si, moi si, je l'ai eu depuis. Hein. Et maintenant, il va surtout sur des fréquences beaucoup plus hautes. Ça doit être de l'or dans 2x sub, je crois, ou pas loin de ce côté-là. Quoi. Ah d'accord, bah, moi je les vois pas, en fait, je regarde, tu sais, sur le web, je sais pas quoi, mais de Florac, et je vois pas grand monde, en fait. Ah ok, d'accord. Ah, puis c'est vrai qu'avec le pro et tout, c'est pas toujours évident, hein, faut dire ça. Hein.
Là, je vois, bon, j'embauche à 19h30. Quoique, si ça s'est arrêté de pleuvoir de mon côté. Hein. Alors, suivant ce que la voiture a décidé, ben, pourquoi pas. Hein. Pardon, pourquoi pas. Pourquoi pas quoi? Ah, tu parlais d'un visu, mais là, pour te faire un radioguidage, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je sais même pas dans quelle rue je suis. Non, je sais même pas là dans quelle rue je suis en plus. C'est ça le plus con. Oh ben non, c'est pas grave. Laisse tomber pour le visu, c'est pas grave. J'aperçois un Leader Price ou quelque chose comme ça là droit devant moi. En fait, je suis j'ai pris en arrivant depuis le pont d'Aquitaine, j'ai pris la sortie 11A, là où il y a le Buffalo Grill. Je suis passé après par-dessus le pont qui enjambe la rocade, et en redescendant, j'ai pris là où c'est en travaux d'ailleurs, la route qui est aussitôt à gauche. Voilà là où j'ai attrapé. Si tu vois si tu connais le coin. Ouais, je connais bien le coin et je vois à peu près où c'est. Hein. Eh bien, si ça te dit, moi, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, là, ouais, effectivement, là, 18h35, ça s'est arrêté de pleuvoir, donc il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Hein. Par contre, tu me verras en tenue de travail. Ok, ah, t'es en train de passer dans une zone où là ça a baissé là. Eh ben, je passe devant chez moi justement. T'es devant chez toi? Ah oui, d'accord, t'étais en balade dans les Landes du côté du Barp et là tu remontes vers le QRA. D'accord, ok, t'es rendu au QRA, bon, pas de soucis, reste chez toi, il n'y a pas de problème. Non, t'inquiète, je passe à la hauteur de mon QRA, puisque moi j'habite à des gens. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais, ok. Eh bien, si tu veux, hein, c'est avec plaisir que je... ah oui, c'est vrai, j'allais dire que je te serrerai la paluche, mais on n'a pas le droit à ça, on a droit au coup de poing, par exemple. T'as une bonne frappe? Hachi! Non, mais il y a aussi juste la salutation tranquille, hein! Il n'y a pas de problème! Non, tu vois, là, je suis à la hauteur de Gradignan, je pense que je vais être dans ton secteur d'ici 10 minutes. Le temps de sortir. À mon avis, il faut que je sorte à Mérignac centre, d'après ce que tu m'as dit. Chemin long. Mérignac, chemin long. T'attrapes les premiers feux là, de la zone commerciale avant d'arriver à Carrefour. Et là, tu. Mérignac chemin long, ok. T'as un petit bout là de ligne droite ou presque. Là, tu tombes sur des feux. Après, tu as virage à droite et des prochains feux. Bon, à ces premiers feux là, tu trouves comment partir à gauche. Je dis ça comme ça parce qu'il y a des travaux. Mais bon, ils ont mis des trucs de déviation et tout. Et je suis pas loin dans les environs. Un magasin donné juste en face de toi. Alors, juste en face de moi, j'ai magasin bio Le Vive. J'aperçois un truc bleu sur rond jaune. Ça doit être Leader Price ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté de la route? Un truc de peinture unique à l'eau. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Alors, attends que je te fasse la ceinture. Derrière moi, j'ai quoi? Putain, la machine est un peu loin là pour voir quelque chose. C'est des magasins de mobilier, des trucs comme ça.
Je vois pas le nom des magasins derrière moi là qui sont assez connus en plus. Non mais Unicalo, ça me suffit, hein, je sais, je connais très bien. Ah ok, d'accord. Ben c'est vrai que ah oui, ma femme m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Paraît-il qu'il y en a un qui s'est monté sur le du côté de Libourne, de ce côté-là, je crois, d'après ce qu'elle m'a dit, ouais. Ah oui, vous devez en avoir un par là-bas aussi, oui, c'est sûr. Ok, bon là tu te rapproches pas mal alors. Ok, attends, je vais voir un truc. Attends deux secondes. Bon, voilà. Donc de ton côté, là, ça doit toujours passer. Là, vu comment tu m'arrives, là, ça doit être bon, là, comme ça. Ah bah oui, là, je t'entends super bien, mais comme tout à l'heure. Hein. Oh, ok, ouais. Là, j'ai coupé là, ce que j'avais derrière. Pour être uniquement sur la puissance du poste, là j'ai mis au maxi là, au niveau poste. Ah ouais, parce que ce que t'as derrière, comme tu dis, moi je t'entendais, alors pas c'était QRP, mais je t'entendais quand même au parfum. Hein. Oui, bah oui, normal. Ah si, puis en plus de ça, sur le pont d'Aquitaine, alors là il n'y a pas mieux. Pont métallique. Avec de la flotte en dessous. Va trouver un meilleur plan de sol ou plan de masse, comme tu veux, les deux réunis, pour moduler. Quoi. Là, il n'y a pas mieux. Quoi. Et t'oublies la hauteur. Hein. Alors, ça dépend de quel côté on est. Oui, effectivement, il y a la hauteur qui est là. Pour la rive gauche, c'est vrai que là, c'est génial. Hein. Là, t'arroses toute la région et au-delà. Quoi. Par contre, côté rive droite, tu as quand même tout ce qui est Lormont, Artigues, tout ça, qui sont quand même un peu plus haut, mais bon, ça passe quand même. Ouais, à chaque fois que j'ai pu t'avoir, c'était quand t'étais sur le pont d'Aquitaine exclusivement. Hein. Ouais, c'est ça, et puis bon, c'est vrai qu'au QRA, je suis aussi en fréquence, hein. Mais à chaque fois j'ai le nez sur le PC là, à m'occuper de mes trucs, ceci, cela, ainsi de suite. Et du coup, ben, je suis plus en écoute qu'autre chose et ça c'est pas bien ça. Enfin n'empêche que quand j'entends un appel, je réponds quand même. Ouais mais t'es quand même hyper actif. On peut pas t'reprocher d'être en écoute, hein. C'est pas à toi qu'on va pouvoir reprocher ça. Hein. Ah, tu sais, on peut toujours faire plus, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Surtout que là, je vais te lâcher une info. Là, je suis en train de je sais pas si tu as vu sur dans mes vidéos, celle qui est du côté, comment ils appellent ça, du côté de mon compte accueil, quoi. Je sais plus quel nom ça porte. Il y a un clip vidéo là qui date de 2018. Sur une musique assez qu'on voit pas mal et dessus c'est un diaporama de photos là qui défile au rythme de la musique. Voilà, bon j'avais fait celui-là en 2018 et là je suis en train de travailler sur un nouveau clip qui est pas mal de tout et je le garde de côté pour Noël. Alors j'ai quelques petites conneries à rajouter dedans pour amuser un petit peu. Mais autrement, telle qu'elle est là, je pourrais déjà la mettre en ligne, mais je la garde pour Noël. Et tu fais ça aussi avec Shotcut ou t'as abandonné Shotcut? Alors, je l'ai lancé une fois, deux fois, après terminé. Il n'a plus voulu se lancer. J'ai pas compris. J'en ai un autre aussi, mais qui est loin d'être très précis. Je sais plus son nom. Ah zut. Autrement, je l'ai fait sur mon second PC là, qui est sous Windows, avec Videopad. Et celui-là, par contre, je me régale dessus. Hein. Ouais, apparemment, c'est ton préféré. Ah ouais. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein.
C'est et puis bon, ça fait quand même quelques années que je l'utilise. Donc il y a quand même quelques trucs dedans là que je maîtrise quand même assez bien. Et là, là, je me régale. Hein. Et dans ce clip là que je suis en train de préparer là, j'y mets même quelques petits effets sonores et tout ça. Tac, je travaille un petit peu au niveau son. On entend quelques stations dedans, tout que ben moi avec d'ailleurs. Donc le son est retravaillé. J'ai mis des effets de stéréo, tout ça. Dedans, là je commence à en dire un petit peu trop. Donc oui, avec celui-ci, oui, effectivement, il est vraiment assez complet. Mais il manque encore quelques trucs dans les effets. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est plus cher après. Déjà que celui-ci, il est payant. Hein. Et pour la petite anecdote, il vient d'Australie en plus. Et traduit en français, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, il manque quand même quelques petits effets, comme par exemple au niveau effet, il manque un effet de vrille, on va dire, toi des trucs comme ça. Non, j'en dis pas plus. J'allais lâcher une autre info, j'en dis pas plus. Ouais, c'est mieux. À force de le développer, tu vas tout dire. Ouais, putain, c'est presque des puces 30. Moi je passe plutôt par Mary Accent et après je reprends par la droite. Donc tu devrais me voir arriver à l'envers d'où tu es venu. Mais t'as la vache, ouais, la zone de chantier. C'est pas toi qui a... Ah oui, non, d'accord, je sais pas. C'est. Attends, j'ai. Voilà, j'ai mis la puissance à zéro de mon côté. Hein. Mais non, c'est pas toi qui viens de passer, parce que je viens de voir un push passer, mais bon, il n'y a pas d'antenne dessus. Ouais, tu dois vraiment pas être loin. Je te donne un indice, j'ai une ML145. Ouais, bah de toute façon, vu d'où t'arrives, hein, quoique tu peux arriver par devant aussi. Ouais. Ouais, bah du coup, je sais pas si tu arriveras par derrière moi ou par devant. Pas donner de précision quand même. Oui, et puis là je fais une petite vidéo en même temps, là, histoire de montrer quand même que le canal 32 il est actif. Alors c'est pour ça que je me méfie un peu dans ce que je dis. Quoi. Ouais, et puis comme ça, sur la vidéo, on pourra voir que eh ben, ça marche. On peut faire des visuels avec la 6-bit. Ah oui, putain la vache, comment tu m'as collé le truc hein. J'ai même senti là, la réception là, chuter un petit peu là quand t'as relâché le micro. Ok, je suis là. Ok, vu. Putain la vache, hey, tu te promènes pas en deux chevaux toi. Hein. Ah bah tu m'as pas demandé. Hein. Puis en plus de ça, t'as de la hauteur, c'est génial, c'est cool ça. Ouais, oh ouais, bah tiens, il y a de la place devant moi, gars. Ok, d'accord. Alors, non, mais regarde-moi, l'autre, il est con, sans déconner. Hein. Il te voit mettre le clignotant et tout, mais non, faut qu'il vienne te coller, quoi. D'accord. Ok, bah ça, c'est nickel, ça. Allez, ok, ça marche, j'arrive. Salut, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir de près. Bah ouais, ça va, moi aussi je suis très content de te voir de près. Alors là, tu me dis que là tu fais du camping et tout, donc t'as des idées là pour installer la station en camping quoi. Oui, alors c'est un projet qui est plutôt à moyen et long terme, c'est d'utiliser un séjour d'une toile de tente comme abri. Pour son montage rapide et facile, et ensuite de mettre une table, une chaise, de me connecter à mon antenne avec ma 6-bit et de pouvoir être sur un point haut, une montagne, enfin un point haut, un relief haut. C'est antenne de push ou antenne montée en extérieur ?
Alors pour l'instant, le projet c'est l'antenne du push, mais on peut imaginer une Delta Loop, on peut imaginer une Himalaya ou autre. Alors, je ne sais pas comment tu as trouvé mon idée, mais moi de mon côté, ce que je fais, puisque je vois tu as un attelage en plus, Oui. j'ai mis un porte-vélo. Je sais, j'ai vu. T'as vu? Oui. Et je me suis mis des pattes express sur mon tube de ma télé. Je viens clipser, en fin de compte, tout simplement. Je viens clipser mon tube sur le porte-vélo. Et puis l'antenne, je la monte à 6 mètres. Pas besoin de plus, hein, de toute façon. Ouais, non, mais 6 mètres, c'est bien assez. c'est une bah c'est une super option. Oui, parce qu'avant, je fonctionnais avec une remorque. J'ai vu. Et c'est vrai qu'à force, bon, faut accrocher la remorque et tout ça, remonter le système dedans et tout, je suis feignant. Mais oui, ouais, non, mais c'est vrai. C'est la remorque, c'est bien quand tu vas la laisser en place comme ça pendant un certain temps, je sais pas, une semaine, le temps des vacances. Donc tu laisses l'antenne en permanence monter dans la remorque. Puis là, ok, d'accord. Mais quand c'est pour juste une heure, quelques heures, tout au plus, que tu vas rebouger aussitôt après, c'est vrai que souvent où tu te gares avec la remorque, il faut pouvoir naviguer, faire demi-tour, repartir facilement avec. Et il y a peut-être aussi l'alimentation électrique, car j'ai vu que tu utilises avec ta remorque un groupe électrogène oui, ça. Qui peut te gêner aussi au niveau du bruit Alors oui, et faut le mettre assez loin, quoi, à distance. Ah, comment ils appellent ça? Il a des systèmes interverteur, je crois. Inverteur, oui. Inverteur, voilà. Donc, qui permet d'avoir un courant propre régulé pour l'électronique. Mais ce qui est. Je te conseille ma petite batterie EcoFlow. Oui, voilà. Oui, non, mais tu as raison, parce qu'en plus de ça, avec panneau solaire. Oui. Et je suis bien d'accord avec toi, parce que même s'il fonctionne très bien, ça génère du QRM. Donc, si je ne veux pas être gêné avec ça, j'en ai fait l'expérience une fois, là, il y a quelques temps de ça, où j'étais là dans le Médoc. Du coup, j'avais le groupe qui était juste à quelques mètres. J'avais mis au niveau bruit la voiture entre, qui me faisait par avant, quoi, on va dire. Mais je me suis ramassé tous les QRM venant du groupe. Ouais, c'est pas étonnant. Et ben, disons que si, comme c'est indiqué dessus, il faut le mettre à la masse, il faut le mettre à la terre, je veux dire. Chose que je n'avais pas fait. Donc, tout le QRM qui avait attrapé de là, je les ai attrapés. En plus, j'étais dans un endroit très sableux et tout, en plein dans les bois. Tout ce qu'il ne faut pas, parce que le sable, visiblement, ça bloque. Ah ouais? Oui. Ou alors, quand tu as du sable, il faut être carrément sur le bord de l'eau. D'accord. C'est là, oui. Tiens, justement, il y a quelques années, au pain sec. Oui, ça s'appelle comme ça. J'avais fait une petite expédition comme ça avec quelqu'un. Et je m'étais garé là dans la partie haute avec la remorque. Oui. Dans la partie haute avec la remorque. Et l'antenne montait à 6 mètres. Donc j'étais bien peut-être à 100 mètres de l'eau. Oui, facile. C'était pourtant en pleine période où la propague était là, parce que bon, on a quand même eu le Québec, la Réunion, je crois, ou ouais, c'est ça, oui. On a quand même fait quelques contacts, mais ça a été dur à venir. Parce que justement, on n'était pas assez près de la flotte. Oui, parce que est-ce qu'il y a une réverbération justement des ondes sur l'eau? Mais c'est là que j'en ai déduit que effectivement, le sable, c'est pas si bon que ça. D'accord. Parce qu'en intérieur des terres, ça t'attrape beaucoup mieux que là où on était à 100 mètres de la flotte sur le sable. D'accord. Eh bien, écoute, ouais, c'est bon à savoir. Toi, comme quoi, quand on choisit un endroit où il y a de la flotte, il faut vraiment être au plus près pour que ce soit intéressant. D'accord. Oui, non, mais en rigolant, tu m'as fait penser à une photo où le mec, il a planté son antenne directement dans la flotte. Là, il a la totale. Ouais, c'est bon, là, alors. Voilà, celui qui dit que son installation, elle est pas bonne, ben, il peut aller se faire rhabiller, parce que... voilà. Bon, c'est pas toujours possible. Mais effectivement, c'est un projet que j'aime, et j'ai ton option. J'ai une autre option, c'est d'avoir... J'ai déjà un trépied où je verrais bien une Delta Loop, parce que je l'ai déjà vu. Que tu mets sur la roue, là? Sur un trépied, c'est un trépied qui servait pour des éclairages. C'est un bon trépied, un gros trépied. Ouais, mais bon, on a pris souvent avec l'antenne dessus. Non, il ne bougera pas, celui-là, non. Ouais. Et
En fait, non, vraiment, il tient le vent. Mais c'est la Delta Loop que je maîtrise pas. Donc ça, c'est encore quelque chose. Ah, puis il faut voir aussi quand c'est polyponctuel, comme ça, il faut voir aussi le temps de montage. C'est ça, c'est ça. Voilà. Là, ton idée, elle est bien parce qu'en fait, on peut partir quasiment avec le truc de poser derrière. On appelle ça un support vélo là. Oui, avec le porte-vélo. Avec le ouais, voilà, avec le porte-vélo de fixer. On le baisse, on met le mât et hop, on lève tout. C'est ça. J'imagine que c'est comme ça. C'est exactement ça. On bloque bien pour le vent. Oui. Est-ce que tu as un rappel, je sais pas moi, par exemple, de la galerie de ta voiture au mât? Non, même non, pas. Non. Non, non, le truc, tu peux le secouer, il ne bouge pas. D'accord. C'est au niveau de la boule, c'est une mâchoire qui vient attraper la boule que tu serres avec une vis transversale. Ouais, ouais. Et ça te bloque la boule vraiment carrément en dessous. Ouais, ouais, c'est fait pour. Là, au creux, directement dans le creux, je suis en train de regarder l'heure, 19h15. Ah, il va falloir que. Ouais, directement dans le creux. Et ça ne bouge pas. Il est l'heure. Il est l'heure, oui, 19h15. Je n'avais pas fait gaffe à l'heure. Une petite dédicace pour notre ami Daniel, qui doit être en vacances. Vas-y. Et bah, salut Daniel. Tu vois, maintenant je suis avec Rémi. Bientôt à toi dans ton club de radio. Parce que je pense passer vous voir à Saint-Jean-d'Illac. Je crois que vous êtes à Saint-Jean-d'Illac. Donc, Daniel, mai 73-51 et à bientôt. Voilà, bah pareil, 73 à tous, très content d'avoir fait ce visu, c'est pas toujours évident.